Shalom, 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 peuple dédié. Notre Dieu est au contrôle aujourd'hui. Tout comme il y a un moment, il y a live Nabisso. Je vous salue dans le nom précieux de notre Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Oyo, le Dieu de la Bible nous a accordé sa grâce. Je suis votre bien-aimé, votre frère, votre papa, votre oncle, Bishop Rems depuis Kingdom of God Assembly. Sikawapi, Tosululaka, Lisolo Yatata, Sikawapi. To parlaka pari ya Nzambe na mana house juste na station pai wapi lingomba tata esanganaka to ye lisusu na pokwa na lelo mpona kotalisa bana na Nzambe koma Nzambe aza malamu ya koakorde biso encore moma moko favorable pour nous pousser dans le trône de la grâce, il y a Tata, pour te tout solola, pour te tout loba, nini oyo, Tata a bombé les bisous. Tout ça, le jeudi, et puis on peut banan le botanion sur la kingdom to Sanganaka, pour nous live même sur Facebook. Alors, je vais vous demander si Kayo Zali, ce qui au coquille causera link oyo, au partager yango tindela bandeko baza partout dans le monde donc je vois Afrique, Amérique, Océanie, Asie tindela bango partager link oyo yebisa bango ete Jésus-Christ de Nazareth azana rendez-vous na pokwa na lelo pote yonanga toyoka liloba na Nzambe. Yo oyoza na cuisine, oza na mosala, oza na sika songolo, toza na rendez-vous na pokwa na lelo. C'est pourquoi, dans toutes circonstances, to glorifiaka Nzambe. Tike sike zali yoko kanga miso na yo, to rekomande moma ona maboko na Nzambe, peut-on bonder là. Prions. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Nzambe Nabomoy. Nous nous sommes très reconnaissants pour pouvoir nous accorder ce moment glorieux de ta part. Papa, ce qui est le plus important, c'est que Nzambe. Tika moko na lelo ezala oyo akorde biso. C'est juste par ta grâce. Ni t'étais votre grâce. Tu peux que ça l'a un motim. Le gros Nzambe ya mawa Nzambe bolingo. Ou à kour le biso. Tika nyon so toko solo la. Et zala kou te paye na yon Nzambe. Gana zala ka juste porteur de la parole. Mais nyon so ko bima. Et ou tabobe le paye na yon. Toute puissance nyon so ya distraction. Ya manque à concentration. Et zala mousika dans le nom de Jésus. To implore grâce na yo pe mawana yo dans le nom de Jésus de Torobi. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Na plus le sous encore de plus mbote, libota mobimba. Yo osa kana mo mesano ya kolanda kabiso pote o se connecter et pa yapi lo bana Nzambe zoko teyama Nzambe akopambola yo. Pour aujourd'hui, toujours continuer série Nabiso, il y a un message où les cas qui dimanche écoulé, autobande Kolobela sur vivre la délivrance totale. Aujourd'hui, nous allons encore nous revisiter. Tome Kalisusu Kolobela, Natina ya témoana, Ozaki ya monene, vivre la délivrance totale. Tome Kalisusu Kolobela, revisiter en haut. Peut-être que ce qui n'a pas comme sous autre l'obacité,
toko kako bakisa yango, pote bana na nzambe bazala ya ko pambwama. Tant on a biko revisite yango li koloba, tozo vivre toujours na même thème, to changer thème te meza, sko continuité yango pe switch na yango. Selon le Saint-Esprit nenge yako dirige biso, selon le Saint-Esprit nenge yako akorde biso, yango nde toko lobe na poko na lelo. So na zongi mwa moke sima, j'avais parlé vivre la délivrance totale. Cela signifie ce que tu vis dans le passé doivent être différents du présent. C'est ça une délivrance dans sa totalité. Ce que tu as vécu dans le passé et cause à la même matière que vivre dans le présent. Donc il y a toujours un changement. Dans le passé, lorsque tu prenais la boisson, tu partais dans des boîtes, vous allez vivre vie moko sans principe, il y a un zambé, mais le présent, il fait ça différent. Donc, vous avez dit, il y a quand on a été, comment le peuple mis à part, comment on a été selon l'ordonnance, il y a un zambé, comment on a été selon le principe, il y a un zambé, il y a un obisto bengi, délivrance totale. Donc, tu vas changer totalement. Donc, au changer mon bimba na yo, au changer ndambote mon bimba, au changer mon bimba. C'est-à-dire, moto soka koutani na yo, akolobe te papa o nenge na yebela kiye, na nenge na so mona e lelo, a komi différent. Et puis, ma loba na ye, eza nenge mo kote na nenge sa akoloba kala. Donc, ma loba na ye komi différent. Yango yo, dans sa totalité. Vivre la délivrance totale, et koki koza la dan, dans ils ont cause à la partialité que une partie est à délivrer, une partie est à délivrer. Donc dans sa totalité, je suis délivré de la maladie, je suis délivré du célibat, je suis délivré du travail, je suis délivré des documents. Donc on a délivré na domaine nyonso, c'est dans sa totalité. C'est ça que nous avons parlé la fois dernière. Et pour aujourd'hui, nous allons encore continuer selon le Saint-Esprit. Ma point auto lo bakite to meka ko lobele yango. Nabi ke yo za ko landanga yo za mundimi ya bere, yo ozwa ka Bible yo tanga ka to landaka ba révélation o babengi rema nzamba ko salobolamo. Et pour aujourd'hui, nous allons commencer par un verset biblique, o ezana Exode chapitre 8 le verset 21. Avant la kota na verset, d'abord je voulais dire une chose. Vous savez, les enfants d'Israël ont été captivés pendant 400 ans. Alors, nzambe na mawanaye, asaki na posa ya kuluka, nani oyo ako délivré bana ya Israël na maboko ya Pharaon. Il y avait un choix. Wazaki moponami, wazaki na Moïse. O nzambe atinda ki pote a libéré bana ya Israël. Yonanga toebi histoire, comment histoire on est tambola. Yolanga banda toza bo mwana. Toyeba histoire ya Moïse. Nenga bimsa bana ya Israël. Mais ça qui na facilité moko songolote. Pote bana Israël ba bima na maboko ya Pharaon. Il y a eu des négociations. Et c'est que na ba négociation oyo Pharaon azale ki ko sala na Moïse. Moïse a sola na nzambe. Pharaon azo sala négociation na Moïse. Pote bana Israël ba sala libéré. Ça prend le temps pour ma comatina conclusion. Conclusion, on est à la qui pharaon, tu m'appelles ça qui yango. Mais conclusion, on est à la qui ce Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe na bomoi, le Dieu Oyonanga to Sambelaka. Yende akorda ki grâce ou anapé à sala qui était, bana Israël babima. Nous allons lire un verset de l'écriture dans un premier temps. Et puis ça nous sont quand même une idée. Avant tout, quand on a versé, wana, Pharaon a négocié na Moïse. A négocié na Moïse pour a continuer à garder Kakabana Israël. Mais Moïse a consulté Kinzambe. Puis Nzambe a pécié ma principe, a ébissié. Et ça, na makambo sengeli yo sala oyo ngai Nzambe na ko yebisa yo.
Mais bien que yoko sala yango, je veux que toi on a place sur malam. Donc le Dieu de la Bible a yebaki du début jusqu'à la fin. Parce qu'il nous a mené à yebaka via moto et out et si que bandi na place soukeli. Donc nzambe a yebaki bana Israël bakobima ndenge nini et ko salemela ndenge nini. Aibisi Moïse na ko endurcir motema ya pharaon. Na souka na pour a comprendre que je suis le Dieu l'Éternel. Oya sala likolo penase. C'était ça le principe ya nzambe. Lorsque ba miracle ba ndeko salama azali ko tinda ba maladie azali ko tinda ba makamba lolenge na lolenge. Ayebaki ke pharaon a ko endurcir motema na ye. Akoti ka jamais peuple ya Israël ba bima. Ce Dieu qui a voulu ça. Nzambe nem dalinga ki ne mwanabeke na ko endurcir motema ya pharaon. Mais makambo o ya ko mona. Pona souka nwa comprendre ke Moïse osambe la kanzambe o ya zana bomo oy. Alors nous allons lire un verset de l'écriture. Tant qu'on a livré il y a Exode chapitre 8, nous allons commencer les versets 21. Je lis au nom de Jésus. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimineuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches. Et le sol en sera couvert. Ça, c'est Dieu. Et ça, avertissement. Ce qui est au côté de la banane, c'est que le matin, na côté de la yoba mouche. Et ça, c'est que le côté de la serviteur, l'Égypte, c'est rempli de la mouche. Ça c'était Dieu. Parce que ayeba ki bien que non pharaon a kozala motema makasi a koninga ko libérer bana Israël te. Laissez mon peuple partir. C'était ça. Mais pharaon endurcissait toujours son cœur. Il ne voulait pas que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. Parce que Bazalaki en captivité. Yenem Tazalaki na liloba ou yako loba. Mais ayeba kite ke, pema ou yazo ko peme la, eza nzambe na bomo. C'est le Dieu tout puissant pese pema wana. Mais azo ko sa la challenge na le créateur du ciel et la terre. Et pas ya serviteur na ye Moïse. Le Dieu de la Bible, il savait que Pharaon, il va endurcir son cœur pour ne pas laisser partir le peuple d'Israël en Égypte. Voilà la continuité. Et ça dit que Pharaon a boi bana Israël babima. Na on a dit ça ndeko moko na poko na lelo. Nzamba za na bosenga na yo. Azana posa obima na Egypte. Parce que kou neja vina yote. Vina yo ezane na Israël. Nzamba azana posa obima. Yo obima na Israël, na Egypte. Po nzamba azana posa sale la yo makambo moko songolo. Azana posa sale la yo eloko moko songolo. Mais avant sale le loko wana, esengeli yonde obima. Il faut au quitter, il faut au, il tu dois sortir de l'Égypte. C'était ça. Nzambe lolenga lingaki. Mais en allant encore plus loin, vous allez comprendre que mon continuons ça. Ce qu'on a le pouvoir naye. Alinga soko za na adversité. Aliga, que son oui soit oui, que son non soit non.
Oya lobi yangwana ndeko tikala. Et Pharaon, il a endurci son cœur à tel point motomoko akotikala kubima azate. Parce que c'est lui le roi. Mais nous allons lire encore Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Tous à verset Nabisso. Tous à verset Nabisso 20. Exode chapitre 10. Nous allons lire les versets 20 pour avoir l'idée. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. C'est ça que je disais. C'est l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon pour Pharaon à permettre à Israël de mater. Pour à vivre le miracle où nous sommes à consalayer. À vivre comment Nzambe a manipulé Nakibo Nzambe naye. Puis à la fin à comprendre que il est le Dieu. Parce que jusque là Pharaon a joué batte que le Dieu que Moïse priait, c'est le Dieu de l'univers. Il est au nord, au sud, est, ouest. Azan dans le monde entier, il est omnipotent, omniprésent. Azan Nzambe Koufate, Azan Nzambe Bomoi. Azalaka partout. Soko bengiye yako mouni sama. Parce que ba mi bengama ba nzambe, ba souka na lilita. Mais nzambo biso tozo bele la na poko na lelo. Il est le Dieu tout puissant. Il est vivant. Il a été ressuscité. Il est ensemble avec nous. À côté du Père. Ndiye wana nzambo biso tozo bele la. Mais Pharaon ne savait pas que le Dieu Moïse priait. Nzambe o Moïse a fouka melaka asa le créateur du ciel et la terre. Yango Nzambe linga ki endurcir cœur na po atika bana Israël ba bimate po na souka nango a comprendre que asa Nzambe na bomoi. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, attends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Et que l'on puisse les toucher. 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Mais bien aimé, yo ozolo nangai, je voulais te rappeler que tu es un peuple mis à part. Oza peuple mis à part. Et si ko bako luka yo, bako zoyote. Avant ba zoyo, bako ta nanzambe na bomoi. Et si ka bana no bakende ke kelasi, basa ka protéger nanzambo azana bomoi. Et si ka bana no bakende football, nzambe wana bomba ka bango. Parce que yo oza peuple mis à part. Osa considérer le quoi la motonio sur tout est. Osa différent ya batomisusu. Parce que yo tambola kana kubanga nzambe. O tambola kana respecter ba principe ya nzambe. O tambola kana selon ba loi ya nzambe. Voilà comment osa toujours protéger. Nzamba ebisi Moïse. Étends ta main vers le ciel. Et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ako kiri sa ténèbre mo lili e ko kota na mboka ya Egypte. Mais mo lili yango kozala nenge nini? Mo lili wana to bano mona na te les uns les autres. Mais pona biso bana Israël to komanda ko mona na. Voilà ce qui fait la différence. Na yo oyo ebi Nzambe, na oyo ebi Nzambe te. Na oyo banga ka Nzambe, na oyo banga Nzambe te.
Nzamba ko tsa eloko mo kat na vie na yo. Oyeba na ko signifier que non 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 non. Ya ibi nzambe, pe ya banga nzambe. Payo batu baso mona pasi ya ko mona pasi de pas à moi na ngai. Bible dit, je vous ai élu avant la fondation du monde. Je vous ai appelé fils. Parce que vous avez un nangai. Na pona bino avant mokile kwa ko salama. Na choisi sa bino. Voilà comment bana Israël, bana ko mona na te na me ténèbre wana. Bana Egypte plutôt, bana ko mona na te. Mais vous les enfants d'Israël, vous bana ko mona na les uns les autres. Wane ba miracle nzambe komi ko salama. Ba miracle bandi ko salama. Toke na 24. Pharaon a expérimenté miracle wana. Voilà maintenant Pharaon appela Moïse et dit: allez servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Voilà maintenant, Pharaon commence maintenant à négocier avec Moïse. Avant qu'on négocie avec Moïse, cette fois-ci, j'ai compris comment nous avons manipulé Bissobana Égypte. Mais cette fois-ci, je vous accorde. Quoi accorder à l'obinini? Alors, Biboué, Pharaon appela Moïse et dit: allez servir l'Éternel. Kende ko sale la nzambe na yo. Mais, Banyama, Biboué na bino, Bakoti kala. Et vos enfants pourront aller avec vous. Pharaon a négocié na Moïse. Alors, il y a des gens qui sont en yo. Mais ce qui est en train de se faire, c'est que na bana na yo, na famille na yo. Mais ba nyama na bino, et c'est que les gens qui sont vous savez, dans l'ancien temps, ba nyama, ça représentait la finance. On est sa finance. Parce que ce qui est bimi, bamboula nyo se bofana na Egypte. Investment nyo se bofana na Egypte. Ba business nyo se bofana na Egypte. Bibouele nyo se bofana na Egypte. Ba or, ba diama biloko nyo se bofana na Egypte. Et kotika la. Mais vous allez sortir na ba famille na bino. Donc, il va kangi yo finance. Bobi manabino, mais na kangi yo finance. Bobi manabino, na kangi yo mosala. Bobi manabino, na kangi yo bozui. Yango na soyeb sa motomoko na poko na lero, mais bien aimé. Lorsque vous voulez servir Dieu, il faut servir Dieu avec vos biens. J'ai toujours rappelé le peuple de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sers pas l'Éternel comme ça, mais je vais leur servir avec mon argent, avec mes biens, accompagné de ma famille, avec mes enfants. Nous allons servir le Dieu de la Bible. De Pharaon, c'est qu'il n'a pas sa bobima, mais bon, mengo, bon, tique, là, yé. Parce que celui qui est tique, là, bon, mengo, tant, bon, kende, bon, souk, nanzala, pe, bon, koufa. Bon, koufa, nanzala, bon, zanga, bon, zui, bon, zanga, bon, bien, bon, sala, pendant 400 ans, en Égypte. Donc, Pharaon a zoko rappelé Moïse kakeno, bokene na bino. Mais na ko retenir ka ba bien na bino. Si ko lokola boko boya na retenir ba bien na bino, bo linga ko kendete. Mais moi je dis, vivre la délivrance est totale. Et cause à la partialité, cause à la ndamote. Et dit que le bas, on a vivre délivrance dans sa totalité. Si je veux sortir, nakobima nabi loko nangai naba bien nangai nso nakobima na yango. Voilà là où il y a des problèmes. Mais Pharaon négocie avec Moïse.
C'était la négociation. Parce qu'il comprenait que Pharaon a ça qui n'en zambé. Oya zana bomoui. Mais tant que Mokonzi a l'air qu'on a la faiblesse, il voulait toujours résister. Mais résistance wana, ça provenait de Dieu de la Bible. C'est nzambe ne mtu andrisa ki motema na ye. Po ameme ti na kwaya contre mir. Ti ameme na suka. Po te atalisa ye ke voilà. Na zan zambe. Na ebe ke kwa andrisa ki motema na yo. Mena ko memo ti na suka. Po o comprendre ke nga zan zambe. Nga na sala kana posa motote. Mena sala ka sero posa na ngai. Hallelujah. Et si que ça lie au banda kolobete, je vais sortir, moi avec ma famille, avec mes biens. Na kotika la kotika finance nangate. Na kotika kotika bomengo nangate. Bosu nangate na kotika yangote. Na sa na posa délivrance totale na vie nanga. Na sa na posa délivrance totale na bana nanga. Na sa na posa maladie sile na famille nangai. Na sa na posa servitude sile na famille nangai. Na sa na posa passe sila. Na sa na posa minyoko sila. Na sa na posa na vivre esengo ya kibonzambe. Je dois sortir tous na biloko na ngai. Moïse répondit na 25. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et ils ne resteront pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisissons pour offrir à l'Éternel. Moïse, le porteur de la parole, a l'obiété. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Parce que Moïse a dit que tant baso bimana biloko na bango baso bimana ba bien na bango na ba mbongo na ba holocauste tout ça baso bima ba kozana facilité pour ba servir Nzambe pour ba sala ba sacrifice pas ina nkolo ba sala posa te ke ba ke noko luka lesu sacrifice parce que bazana biloko o esengeli ba sala sacrifice pas ina tata mais lokola yo lobi ke to bimane ngwana ozana problème na Nzambe. Parce que Nzambe na lola a koti kayote. Et Moïse a continué. Nos troupeaux iront avec nous. Et ils ne resteront pas un ongle. Toko kenena biloko na biso. Ata li nzaka. E koti kala koti kana Egyptite. Tant on a zon batali nzaka. E li koba. Et loko nyonso oyo be Egyptien bazo posséder bako bima na yango et kotika laka kotika le loko mokote ça soko rappeler pharaon et tant que le messager toko bima biso nyonso complet parce que nous voulons servir Dieu na biloko na biso mais il faut toko nous sala sacrifice. Si comme besoin de ça sacrifice nanini, c'est pourquoi moi, naba nananga, naba tonangai, nabi boire nangai, naba bien abiso, nous allons sortir. Même l'inzaka moko, écoutez la kotika la te. Alléluia, 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 mes bien-aimés. Naso me melo, liloba ya pokwa na encourager yo. Soko zo sale loko na yo, zalaka na positivité. Ce que ça le logo moko songolo. Il faut que ça ait la positivité. Soit tu es à la oui ou bien à la non. Tango zo kende sika. Soko kende yomoko, tango zonga zonga yomoko. Soko kende kina mwasi na yo, tango zonga zonga na mwasi na yo. Soko kende kina mwana na yo, tango zonga na mwana na yo. Soko kende ki kosala mbongo, tango ko bima bima na mbongo na yo. Nzamba yabaki pourquoi abande kwa ndisir motema ya pharaon. Parce que Nzambe ayebi yonanga kati na biso.
Avant même yo kanisa, nzambe sa kanise liyo. E pa yo api yo sukaka, e sika pi nzamba bandaka. E siko yo zo lingo sa lelongo songolo, nzamba za deja na solisyon na yango. E loko yo zo lingo lo banano lobite, nzambe sa lobe liyo yango. Po aza mwana motote, ayibi makanisi na biso, asondaka mitema na biso. Non, il sondait déjà l'esprit de Pharaon, que Pharaon a quoi indiciré motema na ye. Tika na pesa ye accès à indiciré, mais a quoi mona bi mangu na ye, a quoi mona bi mona meso na ye, a quoi mona makamu na ye, pour na prouver que non, a quoi kangabane lakate. Aza obligé fa tika yango. Mais soka o tika yango te, aza ne loko a soukonga na go sala ye. Pour tina génération na ye, a quoi baki basaka na nansambe na bo moite. N'a fait ce barbie, l'éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Malalibose pa yuat ba bengana Moïse. Pharaon a bengana Moïse. Albi, sors! Koyaka lisusu awate. Azo continue kwa ndisir ka mote manaye. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu. E sa continue toujours. Soto ken Exode chapitre 11, le premier verset. Eternel dit à Moïse, je ferai venir encore une pleuve sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux de l'Égypte, de l'Égyptien. Moïse lui-même était très considéré dans les pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers nés mourront dans les pays d'Égypte. Nzambe aza bien. Nzambe aza malam. Na 11, Pharaon a andisir motema, andisir motema. Aboyi kotika bana ba bima. Aboyi kotika fami mo bimba e bima. Nzamba za nzamba ba surprise. Nzamba za mwana moto te po kosa. Nzambe asa juste pe agréable. Asala makamuna bien na biso. Asala makambu selon kibu nzambe na ye. Mutako tinde asala kate. Nzamba moni kefwa beta ya Pharaon eloko ya suka. Il faut asala ye eloko ya suka. Eloko anane yango kizala fin de citation. Yango kizala eloko ya suka. Yango ekwa mene nga pone sa peple de dieboye. Mais bien aimé, la Bible dit, dans Exode chapitre 4, le verset 13, que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus encore. Avant Baloba, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Voilà l'histoire et pas Ewouti. Tala Esikato Ewouti Yonanga. Pharaon négocie avec Moïse. Alors, il s'occupe au bima. Bima na yo. Na moi, si l'on bima. Mais bilo qu'on a bine tika la. Abi, soki boko bima. Bo bima na bino. Mais bo salaka na nzinga nzinga. Dans les alentours. Bo sambe la kanza mena aux alentours. Donc, azotala bino na mosika.
Azomona bino na mosika boko ke na mosika te. Azomona bino donc boza toujours na captivité na ye, boza toujours na contrôle na ye. Abibo bima na bino me boza la kana secteur. Mesuka na yango. Na conclusion na biso na 11. Je vais relire encore. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une pluie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parlez au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux de l'Égyptien. Moïse lui-même était très considéré dans les pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans les pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mère et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris tels qu'il y a point eu et qu'il y aurait plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égyptien et Israël. J'avais dit ça. Mais bien aimé, yo osambe la ranzambe. Yo o yebi Dieu de la Bible. Yo o vanda kana nzambe. Tambolaka tete o tirobete j'ai un Dieu vivant. Nasa na nzambo asana bomoi. Ala la kate pe animba kate. A proteja kangai. A tambola kangai. A bate la kangai. Oyo no soko linga touche ngai. A kuta na nzambe na biso. Nzamba linga pinir bana Egypte. Mais ako pinir bango. Mais azo ko s'abstenir toujours na bana Israël. Donc comme pour dire bana laka bakufakate. Bana laka bakufakate. Moi na laka kufakate. Moi na laka ba simba kete. Yo olinga ko simba mwana nzambe. Yo olinga ko simba mwana yebi nzambe. Yo olinga ko déranger muto afanda na nzambe, muto atambula na nzambe, muto abele la ka nzambe, muto ayebi ko koto sa ba principe nzambe keba ko déranger fina yo keba la destruction jo na kata bomu ina yo sakana na n'importe qui mais ko sakana mwa na nzambe te fina na yo sala na n'importe quoi mais o yebi nzambe keba ko bem sa fina yo ti na 4e génération soka fuka mais c'est ko bonde la keba mwana la kaba toucha ka yete. Yo ozola nana pokona lelo. Bando beta tolo banda ko lebetenga na zamwa ne laka na zamwa na nzambe. Oluka ngana buto lu ngana moyo kukuta na ngaite. Parce que nzambe na bomo yaso ko batte la ngai. Alala kate pe animba kate. Il me protège, il me garde dans toutes circonstances. Yango ya la kana liana liate na zana nzambe. Na zwa te na zana nzambe. Na sala te na zana nzambe. Nabima te, nazana nzambe. Soko lukinga na butu, okuta na nzambe na bomoi. Me, keba na kutushe mwa na nzambe. Keba na kutushe servante nzambe. Keba na kutushe serviteri ya nzambe. Keba na kutushe ba oye ya nzambe. Okobemisa vino tina 4e generation. Esitu oya banga ka nzambe. Mwane lakaba tusha ka ete. Vala nzamba linga boma, peuple ya Egypte. Mais azo protéger toujours bané laka. Et ko sala ma boye, mais bino boza toujours épargné. Bako mona boye, bino boza toujours épargné. Bako zaba maladie, bino boza toujours épargné. Azo continue que épargné bané Israël, pour la route de son kenon, baza bané laka. Moi ne laka koufakate. Verset 7, je relis encore parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous
tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tous les peuples qui s'attachent à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et le Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Bien que ça ne et comme si ce macam en négociation, c'est comme macam bouya menace. Pharaon refusa toujours de laisser partir le peuple d'Israël. Mais bien aimé, vous savez, moto alinga côté, moto ya inayo, mais mon corps a comprendre que osana nzambo osana bomoi. À que se soumettre à vous péter nous. Vous savez pourquoi? Parce que jusque là tu sors Dieu, mais il y a des fruits de l'esprit oyoyo ça la nangoté. Tu sors Dieu. Oyembe la nzambe. O terre li lo ba nzambe. O sala ka nyonso. Mais les fruits de l'esprit o sala nangoté. Voilà ce qui a pu danger ça. Moto nyonso o yasa na fruit de l'esprit. O yatamana na kibonzambe, abanga nzambe. So koutani na ye, vous allez sentir que non, j'ai affaire à un homme de Dieu, j'ai affaire à une servante à Dieu. Nasa na faire na moto abanga nzambe. De fo na contrôler ba langage na ngai. Parce que nzambo ba ba sambelaka. Ala la raté pa nimba raté. Aza vivant, aza na bomoi, pe abunde la kabango na butu pe moi. Bitoumé Molili, Yazalaka le devant. Mais voilà, dans Exode 12, pas être toujours chité. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Nous avons besoin de plus avant d'instruction. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'à 14e jour de ce mois et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les deux soirs. Voilà le verset 7. Et si Capioyo, Tolito conclut, journée d'Abisso. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur tous les lintons de la porte des maisons où on les mangera. Nous avons pas passé l'instruction. Bozo bana, bo salaboye, bo imole, bo boma, bo pesakuna, bo saleloko songolo. Mais après avoir ko boma, bozo makila, bo pakola na depoto, pe na lenton, ya nako. Et si kapio yo, bo ko lela. A continuer, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Voilà Naïpse Logomoko. Alors, vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Nous avons besoin de telle parabole à ce que ça a été. Beaucoup de liens biloko wana, beaucoup lamba, dans sa totalité. Comme on a moto, pe kati kati pe makolo.
Je vous lance maintenant un défi. Yakoyeb Sawete. Pharaon, laissez partir mon peuple. Parce que ça, c'est une révélation de Dieu. Que vous allez manger en commençant par la tête, le jambe et l'intérieur. Donc les enfants d'Israël doivent être libérés dans sa totalité. Donc tout le monde doit sortir avec le bien. Nabilo kola mangu nyonso. Nzamba sa ko signifie mon carte non. Boko bima complet. Pe biloko bozolia, boko li ango complet. Et ça te bolia le kolobo tika motema, bolia ango dans sa totalité. Donc li koloba, lorsque vous allez sortir de l'Égypte, vous sortez dans sa totalité, dans l'ensemble. Bino nyonso, nabana, namikolo, nabakoko, nabilenge, nabiloko nabino, nababien nabino, bobimi bino nyonso tout. Il n'y aura personne qui va rester. Na finance nabino, nabosi nabino, yango bobimi. Mais bimi, tango yo bimako bimakana nani. Tango tika masumo, tika kandambo. Obomba ka mosusu. C'est là Dieu nous parle. Nous devons être libérés totalement. Et ce n'est tout ça la délivrer totalement. Ce que ça allait concerner ma ben en janvier. Ce que ça coûte en décembre. Faut que non. Maman, on a eu baka en 2002. Na on a eu en 2020. Na on a eu deux personnes. Maman de l'ancien temps. Et maman de nouveau temps. Donc il y a un changement total. Parce que au vivre dans le passé, nous au vivre dans le présent. Bah, l'oukio n'a pas problème, il y a le passé. Bah, koutio n'a ngote. Voilà un changement total. La délivrance est totale. Et continue à vivre na yo. Mais bien, mettons l'ouka délivrance totale n'a pas vivre na biso. Et l'oko yo salaka. Et salaka enfant chéri. Et salaka péché chéri na yo. Tika yango. Parce que nzamba zana bo senga na yango. Nzamba zana posa yo changer. Tant que vous changez, nous allons continuer à saloper l'âme. Lorsque il y a un changement et continue à vivre à moto, au moment où ma moto est sengo, au moment où ma moto est kimia, au moment où ma moto est boania, et si quand elle a pris sa kimia, et si quand elle a porté sa kimia, ce que je suis là, c'est que j'ai espoir. Ce que je suis là, il y a une parole d'espoir, il y a une parole de foi. Parce que, à vivre l'expérience, il y a un Nzambe. Il y a un Nzambe qui est passé. Parce qu'il y a comme une moto, il y a Sika. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il y a un changement total. Il faut faire la marque de la moto. Et changement là, ce que Salami, le monde verront que il y a un changement total dans la moto Oyo. Mais sans tenir compte, il y a des témoins qui nous regardent. Dans Hébreux 12 et Lobby, il y a des témoins qui nous regardent. Témoins à 4 pays à Libanda, pays à Likolo. Les témoins dans l'église Bazali, bah, témoins à Mokili Bazali, et témoins par excellence le Jésus-Christ de Nazareth à Zotala. Mais au bout, c'est un côté à l'icône parce que l'homme de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, passe au côté à l'icône. Et l'icône, et ce qui est là, c'est que l'on a dit qu'il y a passé, au comme qu'il y a sika, au comme un moto, il y a sika. Moto, soka moni à l'obake, non. Maman, on n'a pas de la caille, maman, on n'a pas de la Nan di makate na okute na etabwe. Me na kute akumi moto ya sika. Akumi moto ya sika. Akumi kelamu ya sika. Voilà yozo na nangana poko na lelo. Je t'amène une bonne nouvelle ya koloba ete. Makambo ya kala so tika yango. Okuma na makamba sika. Continue ko perse. Nzamba za la posa mono okumi moto ya sika. Tele sika bi farawa lingaka kangaba na ya Israel. Alinga ki a retenir bango pour longtemps. Après, si ma condition l'olenge dans l'olenge. Azo négocier na Moïse. Parce que Moïse parlait avec Dieu. Mais azo négocier na Moïse. Après, ça fait qu'on négocie na Moïse. Moïse a rebondi la Nzambe.
Nzambe alongoli maladie moko songolo, alongoli punition moko songolo. Mais tant moko songela ye andi susu motema. Tant moko songela ye andi susu motema. Mais le la Dieu de la Bible, alobi ete bobo maniama. Wane sa ki prise ya souka. Bobo maniama. Bocha na ba lento, bocha na ba poto. Tango na zobi mapona bomaba na Egypte. Tango na komona makila na ba porte wana. Nabiko ba na Israël, ba ne mana bomaba ngwe zate. Voilà maintenant le sang de l'agneau. Naibite yo e baka makile za nini. Le sang de l'agneau. Le sang qui ôte le péché du monde. Le sang de l'agneau. Qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit sur la croix de Golgotha. Tout est accompli. Ma problème n'a pas passé dans ma camion sur toi sous Kiwana. Tant on a zone les cas. Ce qui n'a monika kamakila, le sang. Ce qui n'a monika kamakila. N'a dit que wana bana Israël. N'a ko simba bangote. Voilà comment ils ont protégé. Peut-être miye bakate, aux peuple mis à part, parce que tu as crié au sang, au croyant na makila Yesu Masia. Et si tu as babé de la makila Yesu Masia, te bima. N'a zo memero une bonne nouvelle. Et si tu as babé de la makila, te bima. Et c'est si tu as yoté. Bisou de croyant na le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. O est sopane qui n'a ngoma na Golgotha. Po yon nga le notu ben na maba na nzambe. Tala le lenge nzamba sala yo grâce. Le sang de l'agneau. Dès que je vais passer, je vais voir le sang. C'est par là que je vais sentir que les enfants d'Israël est là. Bane la kabazawana, nako simba bangote. Baza intouchable. Bakotam la tête est haute. Parce que baza bane laka. Et voilà ici qu'a promis que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Donc bakoya ici, c'était parce que bazuye loko asuka. Voilà, nous avons besoin de poser la question. Ce que nous avons dans l'église Songolo, ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit 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 que Yo linganzamba pambola yo. Sortez. Sortez au milieu de. Bimana biloko na onyoso. Bimana bomengo na onyoso. Ata linzake tikalate. Eloko tikalate. Po eloko na soke tikali. Yangwe kwa nako reklame yo. Reklamasyon zali. Parce que ya connexion. O ezan a biloko wane tikali wana. Ezan a koneksyon, o ezan a kate biloko tikali wana. Paske ezan ya yo. Yo wuta ki sasa. Eske obima? Eske vreman obima? Sok obima teme bien eme. Voilà une bonne nouvelle à pokwana lelo. Sor! Sor! Bima mo bima na yo. Kotika eloko mokote. Moïse arabi ata ongle nangai. Ata linzaka e kotika la te. Ata linzaka e kotika la te. Liko loba eloko nyonso. E soko partina bana Israël. Foba kende na yango. Me eloko asuka. E zaka eloko makila. Le sang de l'agneau. Makila na Yesu Masia. Yango yako petro kama sumu na biso. Makinesu Masia. Yango yako salabu sangani na tata. Yango yako sala alliance na tata. Tango nyo sobe la makinesu Masia. Nzamba mimoni samaka. Esiko ba bele la kamakilate. Bimane sika wana. Eza nda kwa tata te. Nzamba za wana te. Nzamba za wana te. Nzamba za na posa na yo. Oza la delivre totalement. Mais pour ça la délivrer totalement, il y a des principes que Seigneur lui respecter.
Oh, non, ça rebondit, ça y est. Ça va arriver à un moment donné. Abundi sur comme une souka. Apeso na bomengo ya ye, apeso po bimana yango. Lo lenge ko komela yo. Tika nzambe na lola pambola yo. Tika nzamba salo bolamu. Nzamba mimoni sa mana bomo ina yo. Yo oyo banga ka ye. Yo oyo tambola ka na ye. Yo oyo sale la ka ye. Il est là pour toi. Asa wana pa bunde la yo. Atana pongi na yo. Atana kolala na yo. Asa la ka toujours là. Tango bele la kaye. Amimoni samaka. Parce que asa nzambe na bomoy. Ala la kate. Pe animba kate. Peut-être tango to lobango. Yondo komprena kate. Soki nzamba fungolo misa molimo. Okolobete nzambo to bonde la ka. Asa nzamba kosakanate. Peut-être obandu lala ka neglise. Ou bien que là, on va faire des prières dans son anda, parce que ma camoune, on mona on s'en basse en abomou inanga, et l'équipe monini. Tale si que ça lui au bandico bonde là. Bando bonde là, bandako roubette, n'zambé na ye paina yo. Nako bima mobima, nako tika landa mbote. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Tant on a bimi nako bima mobima, nako tika la souna motote, na ye loko moko tika les alités. Ba bien nangaï, mosolo nangaï, mbongo nangaï, finance nangaï, santé nangaï. Mosala nangai, mokanda nangai, libala nangai, bana nangai, nako bima, molongi. Parce que nasana posana za la délivrer totalement. Tale si keza leo bandiko bonde, nansambe na ye pay na yo, na yo ko tato la homo santu na lola, papo za malamo, za nyonso, oze kime lo nangai, li sungi nangai tata, tike tengana bima mo bimba nzambe, na tike loko te, na tika tali nzaka te na fina ngai, na tike loko mo kote, na bima na Egypte, na bima na Egypte, depuis na seki na captivité na bima, tenzambo pesi nga ngolu, osali nga grâce, na bima mo bimba, e loko mo ke tike lese, te papa finance nangana maboko na yo, maladi nangana maboko na yo, santé nangana maboko na yo, na bimi papa, na bimi loka mo longi, la tête est haute parce qu'aux nzambe malamu et sika yo zalaka batuma tatu la koza nzambe et sika yo lekaka bilembo salamaka et sika yo simbaka bilembo mimoni samaka papa to tato lio to pambolo parce qu'aux nzambe malamu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus tika nzambe na lola pambola yo tika yo o utiko vumela na biso yo utiko landa biso ko bande bande te suka tika faveur nzambe za kat na libota na yo pambola mana yo yo za nyonso pona poka na lelo parce que za moto na nzambe pour nzamba yeba tu journal lelo yo ou assister biso tika buta lelo pesa mela yo mais bien aimé yo o landi message o yo ko garda ngo pona yo mokote partager yango peut-être zana ndeko moko boye alinga ka bima na ko ka ko bimate alinga ka sala pa wa ko sala pati partager yango Talisa Bandeko, que la bonne nouvelle du royaume, yango yitiko teyama. Tika nzambe, apambola yo, nzambe asala yo bolamu. Voilà to komina souka, c'était votre bien-aimé Bishop Rems, depuis Londres, donc tozabana ya Kingdom of God ensemble, et si kapito sanganaka, chaque dimanche, de 13h à 16h. Yo osan ba problème, yo osan posa di bondeli, yo osan a posé loko songolo, kota na contact na biso benga biso. Na nzela li sungi amuli mo santo, nzamba ko sala yo bolamu. To lancer programme na biso. Yo o sangara na biso te, soko kwa ko visiter biso, nzamba ko sala bolamu. To sangana ka chaque dimanche de 13h à 16h. Na Manor House, juste na station. Si vous en avez contact na biso, okozo yango, benga biso, toko mona yo, toko kutana, pe toko solo la. Peut na programme na sope ya semaine, de lundi à vendredi, toko na prière na son en ligne, pe vendredi ba mama ba sanganaka, pe chaque jeudi ba activité ya église e zangakate, et communiquer à souka na soko lance pote na kata, ba mama baza na mabungisi na bango eza samedi oya lobby oyo donc e vendredi samedi ba ko kutana pona ko telemisa ngwende pona ko bondela
Pona ko yeb c'est pas inatata. Pona ko solo natata. Ba maman nous a Kingdom of God ensemble. Bo bengi samil le samedi. Bo koutana. Bo tokisa. Bo biman Egypte. Pote nzambe azana posa asala obo lamo. Yo oyo santé zo dérangé yo. Yo ozana ba stress. Yo ozana ba problème songolo. Bo zana ba problème wana. Le Dieu de la Bible. Ako salo bo lamo mokolo wana. Nazana confiance à journée wana ya samedi. Nazana confiance à ma maman. Ma maman ba lobaka malamu. Ma maman ba yeba ako bonde la. Boko bonde l'ensemble. Nzambe ako salabino bo lamo. Tika. Kembo pe ma san joli. Et pas une tata, et bien ma botanabino, dans le nom de Jésus. Bye bye.